Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Sofiane, bonsoir. Hakim Bey, bonsoir, bonsoir à tous. Les athlètes algériens médaillés aux Jeux Paralympiques de Paris, distingués aujourd'hui par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au Palais del Mouradia. On écoutera leurs impressions dans cette édition. Le secrétaire général de l'ONU et plusieurs dirigeants du monde ont félicité aujourd'hui le président de la République suite à sa réélection à la tête de l'État. Au lendemain du Conseil des ministres réuni par le président Tebboune, ses orientations et instructions, retour ce soir sur notamment les moyens d'anticipation des risques d'inondation, mais aussi ses mises en garde du président de la République contre les pénuries sur les marchés. La session parlementaire ouverte aujourd'hui au Conseil de la Nation comme à l'Assemblée populaire nationale, les présidents des deux chambres du Parlement ont discouru, mis en avant les défis et priorités de cette nouvelle session. Le sommet de l'avenir se poursuit à New York. Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf s'est exprimé il y a quelques minutes à peine, saluant cette initiative et relevant sa portée. Le Liban attaqué par l'entité sioniste, près de 200 morts alors que les bombardements se poursuivent également du côté de Gaza. Tout un dossier à suivre dans le 19h. Et puis en sport, cette poursuite demain de la première journée du championnat de Ligue 1 entre le Mouloudia d'Oran et la JS Saoura au stade Hedfi d'Oran. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous le disait en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a distingué aujourd'hui au Palais del Mouradia les athlètes qui ont honoré l'Algérie aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. De responsables de l'État, les parents des champions et leur staff technique étaient présents à la cérémonie. 11 athlètes au total ont décroché des médailles à cette compétition internationale, dont 6 en or. Les médaillés n'ont pas caché leur fierté et joie de cette distinction. On écoute leur impression dans les deux doubles médaillés Nessima Saifi et Skandar Jamil Atmed. ماشي اول مره رئيس الجمهوريه يدير هذه المبادره لذوي الاحتياجات الخاصه متعودين على رئيس الجمهوريه انه دائما يسعد ذوي الهمم وانا بالمناسبه هذه بارك له على العهده الثانيه جد 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 سعداء ونقول له تحياتنا يعني وشكرا جزيلا اللي اعطيت التفاته طيبه لذوي الهمم الحمد لله كان جميل وما شاء الله استضافتنا سيدة رئيس الجمهورية موجه له تحية وإن شاء الله يخدم لنا البلاد ويخدم لنا الوطن شرف لينا احنا كي كنا مع السيد الرئيس ونتمنى له النجاح في العهدة الثانية تاعو وبالتوفيق إن شاء الله ليه والطاقم الوزاري تاعو كل الحمد لله إن شاء الله نتمنى احنا كما نقولوا نقدموا الأكثر الأكثر للجزائر باسكو هذه الحاجة اللي قدمناها احنا للجزائر حاجة صغيرة واش خدمت لنا هي لينا الجزائر اليوم كان يوم رائع لأنه كان استقبال من فخامة رئيس الجمهورية اللي نقدم له كل الشكر الجزيل على هذا الاستقبال الجيد ونقول له الحمد لله يا ربي احنا رفعنا الراية الوطنية الحمد لله كان لنا شرف أن عودنا شفنا رئيس الجمهورية واللي راه هو المدعم الأول للرياضة ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة الحمد لله على هذا الالتفات منه وإن شاء الله احنا اللي علينا كرياضيين راح نبقاو نمدوا توجور نتائج جيدة وإيجابية للجزائر ونشرفوا الجزائر أحسن تشريف. Voilà, c'était les impressions de nos athlètes paralympiques médaillés des Jeux paralympiques de Paris, honorés aujourd'hui par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a continué aujourd'hui à recevoir les messages de félicitations pour sa réélection à un second mandat présidentiel. C'est le cas du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est, dans la foulée de cette félicitation, de ses félicitations, salué l'étroite collaboration entre l'Algérie et les Nations Unies et relevé le rôle actif de l'Algérie au niveau régional et international, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Les dirigeants péruviens, slovaques et d'Ouzbékistan, mais aussi de Norvège, ont également félicité le président de la République pour sa réélection. Retour à présent sur les quelques-unes des orientations et instructions du président Tebboune. Hier, lors du Conseil des ministres réuni, il s'agit notamment de rentrée scolaire, vous le savez, universitaire, mais aussi de ses mises en garde du président de la République contre les pénuries créé par certains importateurs sur le marché national. Les experts s'expriment aujourd'hui à l'Emboukadoum. Mettre fin aux pratiques qui gangrènent l'économie nationale et lutter contre les lobbies de l'importation, le président de la République a instruit les pouvoirs publics à trouver des solutions. Il s'agit entre autres de valoriser la production et consolider l'économie nationale. Nabil Djma, économiste. Les instructions du président de la République reflètent une nouvelle volonté de renforcer la production nationale et de réduire la dépendance vis-à-vis des importations. Ces lobbies sont souvent constitués d'acteurs qui
profitent des régimes d'importation pour maximiser leurs gains au détriment de la production locale et de l'économie nationale et aussi du pouvoir d'achat du citoyen. Pour encadrer le marché national et éradiquer ces pratiques qui nuisent à l'économie et touchent au portefeuille du citoyen, Nabil Jemaa estime que le meilleur moyen est de consolider le cadre législatif et promouvoir les investissements. La mise en place des réglementations plus strictes, les importations de produits qui peuvent être fabriqués facilement localement et imposer des quotas ou des restrictions sur certains produits et réglementer le circuit de distribution, encourager les investissements dans les industries locales à travers des incitations fiscales, aussi renforcer les mécanismes de contrôle et transparence dans les processus d'importation pour réduire la corruption et les pratiques monopolistiques du marché algérien. Les directives du président de la République visent à assurer un approvisionnement régulier du marché, stabiliser les prix et consolider la cohésion sociale. Le chef de l'État est devant les dégâts occasionnés par les récentes intempéries et inondations, a d'abord instruit pour entamer l'indemnisation des sinistrés au plus tôt, rétablir également les services essentiels et vitaux des citoyens dans les régions concernées. Il a également ordonné d'adopter des méthodes de préparation et d'anticipation de ces catastrophes. Mais ça se met. L'Algérie, comme d'autres régions méditerranéennes, subit des crues causant des inondations, principalement dues au débordement des cours d'eau. Le changement climatique complique la gestion des risques d'inondations, nécessitant des adaptations dans les stratégies de prévention. Comme nous l'affirme professeur Benina Touaibia, docteur d'État en aménagement hydraulique et mise en valeur des terres. Toute perturbation météorologique influe sur les régimes hydrologiques. Maintenant, la deuxième problématique, bien que dans beaucoup de ouest, il y a eu beaucoup d'aménagements qui ont été réalisés à travers le territoire national, mais malheureusement, parfois, il n'y a pas d'entretien. Selon le professeur Touaibia, bien que dévier les ouest à risque soit une option, cela présente de nombreux défis et nécessite des études approfondies. Est-ce qu'il y a de la population? Est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce qu'il y a des infrastructures lourdes? Ça, et ça coûte. Professeur Touaibia souligne l'importance d'examiner chaque cours d'eau individuellement et de sensibiliser la population au danger des constructions anarchiques près des oued. Et plusieurs associations nationales ont salué les instructions présidentielles. Cela témoigne pour nombre d'entre elles de la poursuite de la solidarité et de la cohésion entre l'État et les citoyens en de telles situations telles que les dernières inondations et leurs conséquences sur les citoyens. Ouverture aujourd'hui de la session parlementaire, marquée ce matin par les discours des présidents des deux chambres du Parlement face aux parlementaires bien évidemment, mais aussi le gouvernement dans son intégralité. À la chambre haute, Salah Gojil a affirmé, Chaki Benzaoui, que le second mandat du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, marque le début de nouvelles réalisations. De nouvelles réalisations, une nouvelle mission, mais surtout un dialogue national avec toutes les forces vives du pays, à même d'approfondir la pratique démocratique. C'est ce que soutient le président du Conseil de la Nation. Quand le président de la République annonce la tenue d'un dialogue national inclusif, c'est pour approfondir et renforcer la pratique démocratique. À travers ce dialogue, et particulièrement après les élections présidentielles, il s'agit d'inclure le véritable concept de l'État, car l'État appartient à tous. Il faut renforcer l'État et ses institutions. Plusieurs défis à relever pour cette session parlementaire en concrétisation des engagements du président de la République. Salah Gojil y revient en détail. Plusieurs défis se présentent cette saison. La loi de finances qui cette année détient un caractère politique. D'autres priorités, notamment concernant le renouvellement des collectivités à travers la loi sur la commune et la wilaya, ainsi que le nouveau découpage administratif. Et ce, pour que la structure de base soit claire pour la première fois. L'Algérie traverse une étape cruciale qui nécessite un grand sens des responsabilités. La mobilisation du Parlement à travers ces deux chambres demeure primordiale pour assumer ses missions de contrôle, de suivi sur l'ensemble des questions nationales, conclut le président de la Chambre haute. Un peu plus tôt dans la journée, à l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, son président, a souligné que l'Algérie traverse actuellement une étape délicate, nécessitant ainsi un grand sens des responsabilités et la mobilisation du Parlement. Hanan Seissi.
Le président de l'Assemblée populaire nationale relève que cette session coïncide avec le début du nouveau mandat présidentiel dans un contexte mondial marqué par des transformations majeures. Cette année appelle à la consolidation du choix du peuple à travers le programme du président de la République relatif notamment au dialogue national. Mohamed Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale. Je salue le programme ambitieux dont Monsieur le Président a souligné les grandes lignes à l'occasion de sa prestation de serment, notamment l'initiation d'un dialogue national ouvert incluant les différentes composantes de la société algérienne pour renforcer les bases de la société algérienne, la construction démocratique ainsi que l'ouverture de grands chantiers ainsi que le renforcement de la souveraineté nationale. Ainsi, l'année parlementaire 2024-2025 sera marqué par un programme d'activités denses, relève d'ores et déjà Mohamed Bourali. Grâce au projet de renaissance, l'Algérie a atteint les objectifs de développement fixés et les réformes dans leurs différents aspects, ce qui a contribué à ce que notre pays remplisse les conditions nécessaires, consolider une véritable démocratie pluraliste et la justice sociale grâce à la répartition équitable des richesses. Le président de l'Assemblée populaire nationale ne manquera pas de saluer les efforts consentis par l'armée nationale populaire, relevant en ce sens qu'elle reste le bouclier protecteur et fidèle de la nation, mais également l'ensemble des corps de sécurité. Toujours à la PN, ces impressions des députés lors de cette session, elle s'annonce riche et requiert une attention particulière pour les députés à Lel Bouteja. C'est une session qui s'annonce d'abord dans des conditions particulières, exceptionnelles. On vient d'entamer le deuxième mandat, la première année du deuxième mandat, qui s'annonce un mandat à caractère économique, avec beaucoup d'ambition, beaucoup de visibilité, beaucoup de programmes à terminer, beaucoup de programmes à clôturer. Sur les grands dossiers, que ce soit les dossiers internes, les dossiers économiques, politiques et sociaux, ainsi que les dossiers internationaux, tout ça nous met encore plus de responsabilités pour aller vers l'avant. Plusieurs projets de loi, dont la loi de finances, le code des collectivités locales, représentent les priorités de cette session et ciblent pour sa part le député Mohamed Hani. Il en parle toujours au micro de Hanan Seissi. On va parler des collectivités locales. Il y a la loi des finances aujourd'hui. Comme vous savez, nous sommes dans un état où il y a une partie sociale qui domine. Donc on va la maintenir pour justement travailler dans le sens de relever le pouvoir d'achat. C'est un engagement du président de la République. Et développer notre économie, sortir de la dépendance, déjà des premiers pas ont été faits pour sortir de la dépendance des hydrocarbures et d'atteindre l'objectif tracé par le président de la République, donc en termes de nombre d'emplois et au terme aussi d'investissement et bien évidemment avancer avec l'exécutif et réaliser le vœu du peuple algérien qu'il a exprimé lors des urnes. Direction à présent New York où le ministre des Affaires étrangères Ahmad Attaf vient de s'exprimer en plénière du sommet sur l'avenir. Le chef de la diplomatie algérienne qui a insisté dans ses propos sur l'équilibre des forces au sein de l'ONU à tous les niveaux, notamment politique et économique. Ahmad Attaf qui a appelé à des réformes profondes des institutions internationales, notamment l'instance onusienne. L'Algérie salue les conclusions pertinentes de ce sommet et s'engage à contribuer au mieux à leur concrétisation sur le terrain. Mon pays veille également à rétablir l'équilibre perdu au sein de l'Organisation des Nations Unies à tous les niveaux, politique, économique et social. Nous sommes convaincus que l'Organisation des Nations Unies est indispensable, mais nous restons conscients qu'elle a besoin d'une réforme profonde qui lui restitue sa vivacité, car elle est le cœur de la diplomatie et de l'action internationale multilatérale. Le ministre des Affaires étrangères, qui en marge de ce sommet sur l'avenir, a eu des entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues, éthiopiens, tunisiens, ivoiriens et cap-verdiens. L'ONU, qui se dit extrêmement préoccupée, inquiète, jugeant même que cela devrait cesser immédiatement, en parle de ces attaques intensives menées par l'entité sioniste contre le Liban. Le bilan est des plus lourds, bien que provisoire, près de 200 morts et des milliers de blessés, alors que l'offensive, les attaques de la
l'armée sioniste se poursuivent dans le pays. La situation est justement dramatique. Les habitants du sud quittent la région, sommés par l'entité sioniste de le faire en vue de prochaines attaques. Un point de la situation dans le sud Liban avec le journaliste libanais Mohamed Cheikh. Il est contacté par le Sénat. Le porte-parole officiel de l'armée d'occupation a annoncé le lancement d'une vaste opération dans la vallée du Bira, dans la partie est où se trouvent des bases du Hezbollah. Des attaques intensives ciblent également le sud du pays depuis les premières heures de la journée. Les habitants de l'est et du sud du pays ont commencé à quitter dans l'urgence ces régions. On ne sait pas comment va évoluer la situation dans les heures prochaines, mais déjà le gouvernement a mobilisé toutes les écoles, même privées du pays, pour accueillir les réfugiés du sud. À Beyrouth, la capitale libanaise, c'est la panique totale. Le gouvernement décide de fermer toutes les écoles, les moyens de communication perturbés à cause de ces attaques aériennes sionistes. Pour la journaliste libanaise Vanessa Bassil, c'est un état de guerre que vit aujourd'hui le Liban. Elle en parle à Nesrine Tamoun. Il n'y a pas une guerre déclarée officiellement, mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment une guerre. Je n'ai pas d'autres mots pour décrire ce qui se passe. Donc bien sûr que c'est une pression, c'est une façon de faire une pression au Hezbollah, mais c'est une pression militaire, sauvage, agressive. La situation n'est pas bonne du tout. Depuis le matin, Israël est en train de frapper le Liban d'une façon vraiment très agressive. Il y a déjà plus que 182 tués et plus de 700 blessés. Et les agressions continuent, surtout au sud du Liban et à Beka, l'est du Liban. Les écoles, bien sûr, sont fermées. Demain, les écoles vont être fermées. Le gouvernement a aussi ouvert les institutions pour recevoir les déplacés du sud du Liban. Alors que les frappes sionistes se poursuivent sur plusieurs régions du Liban, ce nouveau bilan, un bilan très lourd, on le disait tout à l'heure, communiqué par le ministère libanais de la Santé qui fait état à présent de 365 morts, 1246 blessés. À Gaza, la situation dépasse là encore l'entendement, le génocide sioniste se poursuit sans relâche, les raids et bombardements restent toujours aussi intenses, l'armée d'occupation sioniste a commis pas moins de 3 massacres au cours de ces dernières 24 heures, faisant ainsi 24 martyrs et 60 blessés au total. Et en près d'une année, 41 500 Palestiniens ont été tués, tombés en martyrs et quelques 100 000 blessés. Au Maroc, en plus des manifestations qui dénoncent la normalisation avec l'entité sioniste, le peuple marocain a bravé les interdits encore une fois pour dénoncer les conditions de vie difficiles, le chômage, la répression des droits et libertés, un ras-le-bol qui pousse la population à quitter le royaume, même à la nage, selon l'activiste et opposant marocain Badr Laïdoudi, contacté par l'Israël. La situation actuelle au Maroc reflète non seulement l'échec du gouvernement du Marzen, mais aussi la mauvaise gestion de Mohamed VI durant les 25 dernières années. Un règne qui ne contient que des slogans, mais rien n'a été fait pour le peuple. Le ras-le-bol et les manifestations expriment une large frustration du peuple marocain qui n'a pas trouvé d'issue pour vivre paisiblement. On a vu également que le peuple marocain s'est jeté à la mer pour rejoindre l'Espagne et quitter l'oppression et la marginalisation. Le pire, c'est qu'il y a un certain laisser-faire des autorités marocaines pour intimider et harceler l'Espagne, car le royaume d'Espagne a quelque part reculé devant le soi-disant plan d'autonomie pour ce qui est de la question du Sahara occidental. Retour à l'actualité nationale pour parler de cette campagne de sensibilisation lancée par Algérie Post et c'est en partenariat avec le ministère de la Défense nationale, la Direction générale de la Sûreté nationale, mais aussi le ministère de la Poste et des Télécommunications. Le slogan est « En toute sécurité, votre sécurité est notre priorité ». Une campagne qui s'étire jusqu'au 26 du mois, une campagne de sensibilisation. Elle s'intéresse à cette utilisation sécurisée de la carte Dahabi ainsi que l'application Balidimob au niveau national. Le capitaine Atafi Mohamed Lamine est spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité au commandement de la gendarmerie nationale. Il en parle à Samia Aloun.
Le nombre de cas traités cette année est de 210 affaires dans le cadre d'escroqueries et de fraudes liées à l'ouverture de comptes via l'application Beridimob. L'utilisateur reste le maillon faible dans toutes les affaires traitées, ayant fourni des informations confidentielles qu'il n'aurait pas dû divulguer, telles que des données liées à la carte d'Ehabia ou le message secret envoyé au téléphone de la victime. Chaque jour, nous découvrons de nouvelles formes et de nouvelles méthodes de ces escroqueries en ligne. L'utilisateur reste le maillon faible car il ne devrait pas se laisser séduire par ces offres. Même s'il est en contact avec ces fraudeurs, il ne doit en aucun cas fournir des informations qui pourraient le conduire à être victime d'escroqueries. Cela pourrait lui éviter des problèmes liés à ces pratiques frauduleuses. Le journal électronique DailyTube, mis en demeure par le ministère de la Communication, a convoqué également son directeur de publication pour avoir diffusé un contenu médiatique contraire à la déontologie du journalisme, a indiqué aujourd'hui un communiqué du ministère de la Communication. Bien que les alertes météo ont expiré à la mi-journée, la protection civile reste mobilisée. Elle est intervenue en de nombreuses fois dans plusieurs wilayas pour secourir les citoyens. Ça a été le cas à Biskra, à Msila, à Ouelgla, mais aussi à Médéa où les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver un disparu. Les précisions du capitaine Nassim Bannaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information. Au niveau de la wilaya de Médéa, il y a toujours la poursuite des opérations de recherche d'un homme qui a été emporté par les eaux en crue, qui était à bord d'un véhicule hier au niveau de la commune de Imbossif, à la zone liée à l'Oued Al-Ghriba, dans le lieu dénommé Al-Berna, l'opération en cours. À l'entier aussi, au niveau de la wilaya de Soukaras, à la commune de Bir Bouhouch, là, le sauvetage d'une personne ainsi que 70 têtes de cheptel cernées par les eaux pluviales au lieu dit domaine Aïn Al-Hloua. À suivre la prévision météo juste après la page sport de cette édition avec vous, Sidi Ahmed Fethi, bonsoir. Bonsoir. Et cette journée du championnat de Ligue 1, la première justement qui se poursuivra encore demain à l'affiche Mouloudia d'Oran, JS Saoura. Je ne sais plus si on doit dire elle se poursuit, si c'est un match retard, tellement elle a été étalée hein, sur plusieurs jours. Cette première journée, elle avait débuté jeudi dernier avec la victoire de l'Entente de Sétif face au Mouloudia de l'Beyed, un but à zéro. Le même score a caractérisé la rencontre olympique d'Herbeau face au Nedjum de Magra vendredi et samedi, le Paradou Athletic Club a pris le meilleur sur l'AS Ochlef de but à zéro. Demain donc à 18h au stade Mouloudia Hatfi d'Oran, Mouloudia d'Oran, JS Saoura, une rencontre que vous pourrez suivre en intégralité sur nos ondes. Et cette première journée a encore 4 matchs retard qui vont se disputer à partir de mardi prochain, mardi 1er octobre, avec notamment JS Kabylie face au Mouloudia d'Alger pour le classique à 18h. Il y aura également le 2, l'USM Alger face à l'US Biskra, le CS Constantine face à l'US Mostaganem et l'USM Khenchla face au Chereb Rédé de Belvizdad. Vous l'aurez compris, ces 4 équipes, le Mouloudia, l'USMA, le CSE et le CRB sont les équipes qui étaient engagées ce week-end en compétition continentale. On rappelle que l'Algérie a eu un 4-4 puisque les 4 représentants sont qualifiés pour la phase de poule des compétitions continentales. Ils connaîtront leur adversaire pour les phases de poule le 7 octobre prochain lors du tirage au sort qui aura lieu au Caire. Merci Sidi Ahmed Fethi, vous avez été complet pour cette actualité sportive. Dernière escale de cette édition réalisée par Sidi Ali Toubal. Compromis, voici les prévisions météo signées Kalema Benour. Bonne écoute de nos programmes.